Alors, salut les gamers, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec Gameboy. Aujourd'hui, nous sommes sur le logiciel d'editing que j'appelle OpenShot et que j'utilise pour éditer mes vidéos, les principales. Alors, je vais vous montrer comment je fais mes montages vidéo et le principal. Pour commencer, nous avons l'intro ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la déplacer ici. D'abord, cliquez sur plus, ça importer des fichiers, ça va vous amener à un endroit, en fait à vos fichiers, et vous aurez sélectionné le fichier que vous avez choisi. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment je fais des intros, vous pouvez chercher dans ma chaîne comment faire des intros gratuitement. Aussi, nous avons ici l'outro qui est aussi faite avec Ponzoid et la vidéo principale que j'enregistre avec OBS ici. Alors, et nous avons aussi un fichier de musique que je trouve sur YouTube. Alors, pour avoir l'intro, regardez qu'est-ce que ça fait. Ok, alors c'est ça. Nous avons, ça donne ça. Et voilà. C'est très facile. Ça a l'air banal, mais après on ajoute la vidéo ici. Disons la vidéo que je m'attends. Alors ça donne ça. Alors salut les gamers. Alors ça c'était une autre de mes anciennes vidéos, une de mes plus populaires. Comment avoir des pièces sur Mario Odyssey rapidement. Alors nous allons être transportés. Et voilà. Alors, avec l'outro, vous pourrez mettre ici. Et quand la vidéo sera finie, ben ça, regardez. Ok, ça c'est l'outro. Alors, c'est très facile. Certains ont trouvé de la difficulté à faire ça. Alors, disons que... et la musique, ici, que je mets très en arrière de la vidéo. Pour mettre de la musique, vous le mettez au-dessus d'une piste. On a environ 5 pistes différentes et c'est la musique que j'ai choisie. Elle va commencer à chaque fois que la vidéo commence avec elle. Alors, salut les gamers. Alors, c'est très facile. Aussi, ça c'est très facile. Alors, nous avons et pour découper. Vous faites un clic droit sur, vous cliquez sur tranche et vous conservez les deux côtés. Ça va transformer le fichier en deux fichiers différents. Ce que je cherche à faire, disons que je veux essayer d'accélérer un endroit. Voilà, ici, disons que je veux accélérer, je vais choisir temps, rapide, en avant et la vitesse. Disons que je veux faire x2. Et voilà, c'est divisé par 2. Ça, c'est divisé par 2. Ça, c'est rétréci par 2. Ça veut dire que c'est plus, deux fois plus rapide. Alors, c'est un peu glitchy. C'est normal. C'est toujours normal comme ça. C'est pour ça que je vous recommande d'avoir plus de pistes que 5 seulement. Alors, ajoutez une piste en dessous ou en dessous. Renommez la poste. Verrouillez la piste. Supprimez cette piste. Alors, pour ralentir, c'est à peu près la même chose. Donc, pour annuler, ça se clique ici. Et voilà, attendez. Nous avons aussi les fichiers de transition qui permettent de transitionner d'un endroit à l'autre. Cercle en sortie, fondu, balayé vers le haut, vers le bas, droite, gauche. Les effets négatifs. Luminosité, pixel, très facile à utiliser. Dans la dernière mise à jour, nous avons les emojis et aussi si vous voulez changer la vidéo, la voilà, vous pouvez maintenant changer dans la nouvelle mise à jour. Sérieusement, c'est très facile à utiliser et je vous conseille de l'utiliser pour vos premiers
pour vos premiers editing. Et quand vous aurez fini de faire le montage, vous cliquez sur exporter la vidéo. À ce titre, vous choisissez test et après vous parcourez les fichiers. Alors après, vous choisissez votre qualité, le profil de la vidéo, disons HD, HD 1080p, et aussi le mode expert. Ici, si la vidéo doit être, quand je veux faire une vidéo musicale, je fais juste audio seulement. Si je veux avoir une musique, profil, les qualités images par seconde, je peux l'augmenter si je veux. Format d'image, paramètres audio. Alors, je vous conseille de rester ici pour le moment, au cas où. Et après, vous exportez la vidéo. Ça va augmenter et ça vous dira dans quel. Et quand ce sera fini, ça vous mènera à cet endroit, au fichier que vous avez choisi. Alors, ce fut pas très long, mais je suis très content que vous ayez suivi la vidéo jusqu'à la fin. On se revoit pour une autre vidéo avec Game Boy. It's me, Mario in the game, you probably know my name, and so we start.